Then Miley lit up the internet by doing this. I find this. So, thank you guys very much. Salut, bienvenue sur Junk on the Web. Cette semaine, j'ai envie de vous parler d'un truc qui m'énerve au plus haut point. Je suis complètement pour l'égalité des sexes, l'égalité des gens, quelle que soit leur préférence sexuelle. Je suis pour tout ça parce que je ne comprends même pas comment on peut être autrement. Mais je crois qu'il y a quelque chose qui m'énerve au moins autant que les gens qui sont contre avec des arguments débiles. C'est les gens qui sont tellement pour qu'on n'a pas le droit de dire quoi que ce soit sans être considéré comme homophobe ou contre le féminisme ou des choses comme ça. Il y a quelques temps, j'étais dans un magasin, je me suis perdue dans le rayon jouets. Et j'ai naïvement pris une photo du rayon Barbie et une photo du rayon Playmobil. Et j'ai eu le malheur de poster ça sur Instagram et partager sur Twitter en disant « Pour les Barbies, si jamais j'ai que des garçons, je serai frustrée. » C'était juste, voilà, juste comme ça pour plaisanter. Évidemment, si un jour j'ai une fille qu'elle veut des Playmobil, je lui achèterai des Playmobil. Et si j'ai un garçon et qu'il veut une poupée Barbie, je lui achèterai une poupée Barbie parce que j'en ai absolument rien à faire. Mais visiblement, ce n'est pas clair pour tout le monde puisque j'ai eu ça comme réponse. Et ça devient mais hyper relou. Cette semaine, il y avait aussi un hashtag sur Twitter qui m'a un peu fait sortir de mes gonds, qui était sur le sexisme ordinaire. Je trouvais ça bien ce hashtag, mais il y avait des choses dedans où, au bout d'un moment, on se dit mais les nanas, arrêtez d'être vexés parce qu'on propose aux garçons à table avec vous de payer l'addition. Si jamais ça vous gêne, la fois d'après, vous payez l'addition et il n'y a pas de souci. En fait, c'est ça qui m'énerve. C'est que si on a le malheur de faire les choses comme elles le sont depuis des années, parce que l'égalité finalement, c'est qu'il y en ait un petit peu des deux côtés. Normalement, faut juste, tout simplement, laisser les gens faire leur choix. Et si jamais il y a des filles qui aiment qu'on leur tienne la porte ou qu'on leur tire la chaise, parce que simplement elles trouvent ça gentil, je me demande aussi comment réagiraient les filles si tous les mecs devenaient tout simplement des gros cons. Il y a des choses où oui, ce n'est pas normal et il faut que la société évolue. La seule chose qu'il faudrait faire, c'est arrêter d'agresser les gens parce qu'ils ne font pas les choses exactement à votre manière puisque tout ce que ça va donner, c'est qu'ils vont mettre des œillères et que votre discours ne sera plus crédible. À bon entendeur. Première image de la semaine, c'est une rupture. Et oui, désolée. Chouchou et Loulou, c'est fini. Bon, on s'en doutait un petit peu, vu qu'il y a quelques temps, on a entendu dire que Alexandra Lamy partait vivre avec sa fille à Londres, sentait un petit peu le roussi. Le seul problème, c'est que je sais que maintenant, à chaque fois que je vais regarder un épisode d'un gars et une fille, bah, je vais y penser. Image de la semaine. Décidément cette semaine il y a beaucoup de choses qui m'énervent. Donc Minute, un magazine d'extrême droite qui a trouvé drôle parce que apparemment c'est la mode en ce moment le racisme. Alors je sais pas, ça vient de sortir. Hein. Donc voilà, qui a fait cette superbe couverture sur Christine Taubira. Le plus triste dans tout ça, c'est que les gens qui ont fait cette couverture sont fiers de ça. Parce qu'ils disent c'est de la bonne publicité. Alors moi ma première réaction ça a été de dire non c'est de la publicité négative, c'est quand même pas le top. Puis après j'ai réfléchi et j'ai pensé à tous ces racistes cachés qui n'osent pas encore s'assumer, qui vont être de nouveaux clients de ce magazine et ça me donne je sais pas. Je sais pas s'il faut que j'en rigole, j'en pleure, je me pends, que je distribue des baffes. Troisième image de la semaine sur une note beaucoup plus joyeuse et beaucoup plus mignonne, cette musique de petits chatons qui enregistrent un disque avec leur voix criarde. Non mais sérieusement, c'est c'est horrible ce son en fait. C'est-à-dire qu'on nous enlève l'image, les petites peluches mignonnes, je pense qu'on a envie de les triper le truc. Cette semaine, je vous conseille rien du tout. Non, il n'y a rien qui m'a spécialement marqué cette semaine à vous proposer, donc je vais faire une autre rubrique à la place.
C'est terminé pour l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Je vous remercie d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner et dans la boîte de description, vous trouverez le lien pour la page Facebook et mon Twitter. Et je vous dis à la semaine prochaine. Kiss kiss pang pang. Oh.